Salut tout le monde, bienvenue dans la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je fais un décompte des capitaines dans la Ligue nationale. Je fais un décompte cette fois-ci. Je ne marquerai pas les. Je vais y aller dans l'ordre décroissant pour savoir là, quel capitaine dans la Ligue a le plus de. Selon moi, sont les meilleurs capitaines. Bref. Qui sont les meilleurs capitaines de chaque. Ça n'a pas vraiment rapport avec la qualité de joueur. C'est plus par rapport au statut de capitaine. C'est ça les critères. C'est pas vraiment un capitaine est plus bas, initialement moins bon offensivement, quoi que ce soit. C'est surtout ses qualités de meneur qui sont en jeu. Et évidemment, bon, la longévité aussi, la réputation, et ainsi de suite, qui est en ligne de compte. Évidemment, ça va porter à débat, donc j'invite à le faire, vos commentaires et opinions là, dans le bas de la vidéo, si vous êtes d'accord ou pas avec mes choix. Donc, on va commencer tout de suite avec le 27e, puis d'ailleurs, je vais vous rappeler qu'il y a 4 équipes qui n'ont pas de capitaine, donc évidemment, ne sont pas dans le décompte. Les Coyotes de l'Arizona, les Golden Knights de Las Vegas, les Maple Leafs de Toronto et les Sabres de Buffalo. Donc, ces 4 équipes-là ne sont pas dans le décompte, étant donné qu'ils n'ont pas de capitaine. Donc, on va y aller avec mes choix. Donc, au 27e rang, moi, j'ai mis Gabriel Landeskog de l'Avalanche du Colorado, parce que bon, le pire, selon moi. Il n'y a pas des bonnes saisons offensives. Puis, en plus, il ne semble pas aider son équipe plus qu'il faut. Donc, voilà. C'est Derek McKenzie avec les Panthers de la Floride. Je ne vois pas vraiment d'impact de sa part. C'est vraiment. C'est sûrement un bon gars, c'est sûr. Mais bon, c'est sûr. Je veux dire, ce ne sont pas tous des pas bons parce qu'ils sont en bas là, non plus. Là. C'est juste que sont moins bons, disons, que les autres. On va y aller comme ça. Henrik Sedin, il commence à être vieillissant, puis il n'y a pas d'impact sur son équipe vraiment. Fait que je l'ai mis au 25e rang. Bon. Le prochain, vous allez me dire, c'est sûrement un bon leader, mais bon, il vient d'arriver, fait que je l'ai mis là. Et Roman Josi avec les Prédateurs, donc il n'y a aucune expérience de capitaine. Donc je l'ai mis très bas dans le classement. Un autre qui a beaucoup d'expérience, il a beaucoup une bonne réputation, mais quand même, il commence à être très vieillissant, c'est Zdeno Chara. Même chose pour le 22e, c'est Andy Green avec les Devils. Beaucoup d'expérience, mais bon, il n'y a pas vraiment d'impact avec son équipe non plus. Imminent. C'est pas toujours le but, là. C'est comme je vous dis, c'est par rapport avec l'offensive ou la défensive. C'est plus une question de feeling. C'est ça. J'y vais au feeling. Puis je voulais faire un petit décompte comme ça pour démontrer. Là. C'est ça. Mon décompte à moi. Donc, évidemment, partagez. C'est ça. Donnez-moi vos appréhensions. Qui aurait dû être plus haut, qui moins haut. Mais bref, moi, c'est mon décompte. Donc. Maintenant. Avec le 21e rang. Ouais, c'est ça, 21e rang. Excusez, j'ai comme un petit blanc. Ah oui, c'est vrai. Bon, excusez-moi, petit problème de mémoire. C'est Nick Foligno, qui est maintenant au 21e rang. Nick Foligno des Blue Jackets. Ensuite, on a Pacioretty du Canadien. Et nous, que je vois pas grand-chose qui se passe. Puis, j'ai fait ça aussi, là, quand même, c'est arbitrairement. Là, fait que c'est pas toujours. Faut pas s'en faire avec ça. Koivu, au 19e. Après ça, moi, j'ai Claude Giroux avec les Flyers. Bah ça, Jordan Staal avec les Hurricanes. Jamie Benn avec les Stars. Ça s'équivaut. Là, on est rendu dans la gang. C'est pas
pas mal le même genre de capitaine, pardon. Ça veut pas dire que tu sais, il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est surtout par comité, là, je dirais. Ces quatre-là, ça peut se comparer, mettons. Après ça, on y va avec ces quatre-là, ça peut se comparer. Puis ces quatre-là peuvent se comparer. Les rangs sont plus ou moins importants. Ovechkin, sa réputation de choker, me le fait descendre au 15e rang. Après ça, on a Andrei Kopitar des Kings. Blake Wheeler des Jets. Après ça, on a Zetterberg qui est très bon capitaine. Mais bon, son équipe est très peu performante. Donc ça a quand même un peu d'impact sur les choix que je fais. Après ça, Pietrangelo avec les Blues. Je dirais, ouais, ces 5. 5 là, ça s'équivaut. Là, ça peut interchanger. Voilà. Ensuite, on a Getzlaf avec les Ducks. Après ça, j'ai pris McDavid avec les Oilers. McDonough avec les Rangers. Puis Tavares avec les Islanders. Même chose, ces quatre-là, ça s'équivaut pour moi. C'est des bons joueurs, des bons capitaines. Mais c'est ça, il y en a des meilleurs, simplement. C'est pas mal tous des bons capitaines, là, je dirais. Les 15 premiers, là, ça va bien de ce côté-là. Même les 20 premiers. En fait, tous les capitaines sont quand même bons, à part peut-être ces trois-là, que je trouve un peu désagréables. Et aussi, on n'a juste pas assez d'infos sur lui. Sinon, c'est ça. C'est tous des grands, quand même des bons joueurs de hockey, puis des bons leaders. Après ça, on a Stamkos. Ah. Tampa. Eric Karlsson avec les Sénateurs. Pavelski avec les Sharks. Giordano avec les Flames. Ça, c'est assez. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, c'est certain. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour. C'est ça, pour. C'est pour susciter du débat, disons. Évidemment. Donc, c'est bien intéressant. C'est ça le but, un peu. C'est de faire jaser, c'est de faire connaître, savoir votre opinion par rapport à ça. Donc, bon, on va terminer maintenant avec Jonathan Toews des Hawks et Monsieur Crosby, qui est, selon moi, dans une classe à part pour les capitaines. Donc, voilà, c'est mon top 27. Oui, c'est un chiffre bizarre, mais c'est mon top 27 pour les capitaines, les meilleurs capitaines dans la Ligue nationale. On attend toujours les capitaines de ces équipes-là, mais ça va sûrement arriver l'an prochain. C'est ça, du côté de Vegas, ils sont vraiment pas pressés. Buffalo, peut-être. Buffalo, Toronto, puis Arizona vont sûrement nommer un capitaine d'ici la fin de la saison. Peut-être qu'il y a des équipes qui vont changer de capitaine aussi, parce que les joueurs sont maintenant plus interchangeables qu'avant. Donc, ça reste à voir, là. Voir qu'est-ce qui va se passer avec les capitaines maintenant. D'habitude, c'est quand même assez stable. Mais bon, il va y avoir des changements, c'est pratiquement certain. Donc voilà, c'est mon top 27 des capitaines. Donc, comme je dis toujours, abonnez-vous à ma chaîne, partagez si vous aimez ça. Un petit like, c'est bien apprécié. J'aime bien ça. Puis ça me permet de vous faire des meilleures vidéos dans le futur. Donc voilà, j'ai plein de vidéos comme ça du lundi au jeudi. Donc, je vous invite à les consulter sur Facebook et sur YouTube. Donc, voilà. Merci de votre écoute. Puis on se dit à la prochaine pour une autre excellente vidéo de Real Hockey Fan. Thank you very much. Ciao tout le monde.